Et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo qui est passée le soir. Et oui, parce qu'il fait très chaud dans la journée. Et donc on sort à la fraîche, on est toujours à Gaillard. On est à côté d'une charmante petite église dont je n'ai pas encore le nom. Mais je me renseignerai pour vous. Et c'est Béa qui est ce soir notre caméraman. Donc on la remercie. Journée extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, puisque Vénus est à côté de Jupiter. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est à 21 degrés, 0,2 pour un côté et 20 pour l'autre, à peu près, hein, si je vois bien. En tout cas, c'est très très proche, c'est 21 degrés chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la coloration de Jupiter et de Vénus s'est intimement mêlée. Donc c'est vraiment l'amour, le désir d'amour, le désir d'harmonie, le désir de paix, le désir de loi. C'est l'envie de s'exprimer par l'écrit, mais l'écrit artistique. Alors il y a des grands élans d'amour aussi, c'est l'amour. Hein. Alors c'est à la pointe d'un triangle en signe de feu. Alors ça fait une pointe avec Uranus en bélier. Donc ça, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment l'amour anticonventionnel par excellence. Ça fait aussi un trigone, donc un très très bel aspect avec la Lune qui est dans le signe du Sagittaire. Et donc ça éclaire, la Lune vient renforcer, en plus ce soir c'est la pleine Lune, donc elle vient renforcer cet aspect d'amour, mais magnifié. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc la Lune vient renforcer cet aspect d'amour, de tendresse, d'exigence, d'originalité, cette envie de liberté. Peut-être cette envie-là qui justement va vous inciter à rentrer dans une agence de voyage et dire oh, « Allez, moi je veux sortir de ma routine, je veux aller faire autre chose. » C'est vraiment l'envie de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Voilà, comme ce petit vieux dans une maison de retraite qui décide de boire son verre de soda et qui dit oh, « c'est formidable, mais qu'est-ce que j'ai pas fait encore dans ma vie ?» Et si je faisais du saut à l'élastique, enfin, etc. Donc j'ai plein de choses originales et rigolotes. Et c'est un petit peu l'ambiance du jour. En tout cas, ça donne une impulsion, quelque chose qui vous pousse spontanément et naturellement à aller vers votre être intérieur et à exprimer qui vous êtes, mais dans l'harmonie. On a la double conjonction Soleil-Mars dans le signe du Cancer. Et là, c'est une bénédiction pour les cancers qui sont vraiment favorisés. Autant ça a été difficile pour vous, les petits cancers, autant là, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que vous avez la part de fortune qui est le sentiment de joie qui se trouve en poisson, qui est en train de se rapprocher de Neptune qui est dans son domicile, qui est en poisson. Et là, c'est une ouverture, c'est une respiration, c'est une harmonie et ça vient renforcer cet aspect merveilleux de la conjonction Vénus-Jupiter. Cette double conjonction Mars-Soleil vient renforcer un aspect vraiment très beau avec la part de fortune qui est le sentiment de joie qui est juste en train d'arriver à côté de Neptune dans le signe du poisson. Et puis cette double conjonction vient faire un très bel aspect avec la lune noire en vierge. Autant dire que vous ne pouvez pas passer à côté de la chance. Vous ne pouvez pas, vous les cancers, passer à côté de l'amour. C'est quasiment inratable. Alors en même temps, vous avez un aspect de carré avec votre chemin de vie. Le chemin de vie, il est dans le signe de la balance. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon chemin? Ou est-ce que je laisse libre cours à l'amour, à la passion, à cette énergie merveilleuse qui est en train de me dévorer les entrailles pour que je puisse m'exprimer et rayonner l'amour? Alors, nous sommes en train de poser en face d'une ravissante église, une petite église qui est mignonne comme tout, mais il se trouve qu'elle est à un carrefour.
Alors, vous nous excusez si vous entendez les voitures au loin derrière, ce sont les avantages de la vie en direct. Ce sera mon mot du jour pour le signe des cancers. C'est vous qui êtes favorisé aujourd'hui avec cette merveilleuse pleine lune qui vient renforcer l'amour qui vous auréole d'un charme extraordinaire. Profitez de cette impulsion pour profiter pleinement de cet amour qui arrive à vous. Eh bien, mes petits loups, je vous souhaite une très très belle semaine. Et en même temps, je vous retrouve demain, probablement à la fraîche, dans encore ce merveilleux pays qui est Gaillard, en France, par notre caméraman experte qui devient une spécialiste, Béa, qu'on remercie. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain pour une belle astro vidéo. Au revoir, mes petits anges.